TikTok, arrête! Sors de ma tête! Les amis, aujourd'hui on va parler de cette application. Je me suis renseigné, mais mort! Parce que je ne comprenais pas ce phénomène et ça m'énervait de tout mon cœur. Vous avez failli quitter la vidéo en me voyant faire un lip sync, comme on appelle ça, et c'est normal. Et la dernière fois que vous en aviez vu un, c'était sur Musical.ly. Rappelez-vous, Musical.ly, on en a bouffé de la pub Musical.ly à l'époque sur YouTube, c'était terrible! C'est l'appli sur laquelle les gens chantaient par-dessus une musique ou un extrait audio de quelque chose, mais avec tellement d'égocentrisme que ça met 100% des gens mal à l'aise. Rassurez-vous, Musical.ly n'existe plus. C'est devenu TikTok! Une entreprise chinoise a racheté Musical.ly et a fusionné les communautés de Musical.ly et de TikTok. TikTok étant le Musical.ly chinois finalement. Et ça a donné, mec, un endroit où... Je sais pas comment décrire cet endroit. Généralement les gens s'amusent juste à danser et à chanter en se croyant stylé sur leur musique préférée. Il y a quelquefois des trucs innovants qui sont cool à regarder et drôles, qui font un peu penser à Vine. Mais le gros problème, c'est que la plupart des utilisateurs de TikTok ont entre 10 et 15 ans. Et quand t'as entre 10 et 15 ans et que t'as une appli où on dit vas-y amuse-toi et fais des vidéos où tu te crois stylé, et ben tu fais des vidéos qui sont très malaisantes parce que t'as entre 10 et 15 ans et que t'as pas des idées de ouf. Y'a qu'à voir nos premières vidéos à moi ou à n'importe quel autre youtubeur pour comprendre que quand t'es jeune, le contenu que tu fais c'est pas ouf. Mais voilà, faut pas leur en vouloir, ces enfants qui s'amusent avec TikTok, c'est comme ça. Par contre, il faut pas non plus les humilier en faisant des vidéos sur leur gueule en disant regardez comme ils mettent mal à l'aise. Aujourd'hui c'est pas ce qu'on va faire, il y a plein de problèmes avec TikTok. Notamment ça entraîne du harcèlement, ça entraîne la sexualisation de filles ou de mecs très très mineurs. Mais il y a un truc positif et incroyable que j'ai vu, enfin positif parfois à son insu, c'est les trolls, mec. Les trolls ont rejoint TikTok. Sur TikTok c'est comme sur YouTube ou ailleurs, il y a des challenges qui ont été créés. Donc c'est faire un truc défini sur une musique définie. Il y a par exemple le spooky challenge qui consiste à se maquiller en mode je fais peur et à chanter par dessus une musique que je peux pas mettre, sinon je vais perdre la monétisation de la vidéo. Et ça, y en a marre, ok? Les ayants droit là, y en a marre. Y a aussi un autre challenge, je sais plus le nom, désolé, où en gros c'est quelqu'un qui se confie un peu pendant 12 secondes, qui dit des trucs, des vérités sur elle-même et qui ouvre son cœur. Et en fait, ce qui s'est passé sur TikTok, c'est que tu peux répondre au post de quelqu'un. Et quand tu réponds au post de quelqu'un, les deux vidéos s'affichent de cette manière-là. Et du coup, les gens s'amusent à, je sais pas, reproduire des danses de Fortnite en réponse à quelqu'un qui était en train de dire un truc hyper sincère et... Et ça me tue de rire. Bref, regardons tout ça en image, vous allez comprendre pourquoi ça me fait rire et où je veux en venir. Et je vous expliquerai la vidéo de base, le challenge que c'est, pour que vous puissiez comprendre en quoi le troll est drôle. Voilà, que vous ayez un background. Alors, c'est parti. Alors ça, la musique, j'ai remplacé au montage par une autre. Mais sachez que quand c'est cette musique, c'est un truc où normalement le mec qui fait la première vidéo demande à l'autre de reproduire sa danse. Et il y en a qui sont pas d'accord avec ça et qui répondent en tapant le téléphone ou en sautant, en faisant n'importe quoi, comme ici. Le mec préfère se flinguer dans les marches plutôt que de reproduire la danse de ce mec torse nu. Voilà, c'est ça qui est chiant avec TikTok, c'est que c'est très 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 superficiel. Tout le monde veut être trop beau, tout le monde veut être trop stylé, tout le monde veut être une star sur cette appli. Et du coup ça fait un peu vomir quoi quand on y passe du temps. Eh, hey, y'a un mec qui s'est répondu plein de fois à lui-même et qui a fait un truc stylé apparemment. Ouais, parce que tu peux répondre à tes propres trucs, voilà, c'est... Pas mal, c'est synchro. Oh, beau gosse. Il y a quand même des mecs qui font des trucs premier degré qui sont innovants et créatifs, cool. Il n'y a pas que des trucs de merde en vrai. Mes vidéos préférées sont celles où, en gros, dans le premier encadré, il y a quelqu'un qui fait ça, qui fait semblant d'être attiré de l'autre côté et qui d'un coup accepte et fait un bisou. Et en gros, la personne qui répond doit faire des mouvements synchro pour croire que c'est son bras qui attire l'autre. Bon, là, j'arrive pas à le faire. Bon, alors voici une vidéo de ce fameux challenge pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand c'est réussi. Moi, je peux pas le faire tout seul, c'est trop compliqué. Maintenant, on va tomber sur quelques dérivés qui me font beaucoup rire. C'est de l'humour noir, attention les gens. C'est grave crédible ce qu'il fait. Oh. C'est tellement sexiste que ça me fait rire. Oh, les mecs, ils osent tout, ils ont peur de rien, c'est fou. En vrai, l'option de pouvoir répondre à quelqu'un en vidéo et que ça mette les deux vidéos côte à côte, c'est génial. C'est le best truc, mec. En vrai, c'est trop bien. Overwatch isn't on the fucking nest. Ok, donc la ref là, c'est que normalement c'est les gamers qui font ce truc là, sur cette musique là. Et il y a plein de gens qui le font et qui sont pas du tout des gamers. Et ça se voit sur la vidéo qu'ils sont pas des gamers parce qu'ils ont pas un casque de gamer. Ou alors parce qu'ils ont dans les mains, comme on vient de voir, une manette qui n'est pas la manette d'une console sur laquelle il y a Overwatch. Comme cette personne qui a mis une manette de NES dans ses mains. Overwatch n'est pas sur NES du tout. Ok, j'ai compris. Je crois que la fille ici, elle a une manette qui n'est ni une manette de PS4 ni de Xbox. Alors qu'Overwatch, c'est que sur PS4 ou Xbox. Elle a un casque beat sur les oreilles. Personne ne joue avec un casque beat. Donc les mecs l'ont trollé. Putain, j'explique les trolls, c'est incroyable. En même temps, des fois, c'est dur à comprendre. Les mecs l'ont trollé du coup en utilisant n'importe quoi comme manette et n'importe quoi comme casque. C'est si drôle, ils sont partis.
Oh, c'est pas bien de troller les gens qui prétendent être gamers alors qu'ils ne le sont pas. En plus, ils le sont, ils ont déjà joué à Candy Crush une fois, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? All you bullies out there, Fortnite dance on this. I'll wait. See that? Low self-esteem, tiny dick, has no friends. Go figure. Ah, il s'est fait troll d'une manière incroyable. Il y a des gens qui savent qu'il y a des trolls qui s'amusent à juste répondre des danses de Fortnite à leurs vidéos. Et du coup ils se moquent en disant voyez ce gars qui me répond par une danse Fortnite, c'est un pauvre type, c'est une pauvre merde. Et lui il a sorti la carte sans inverse de Uno, l'une des armes les plus fortes que l'humanité ait créé mec. Aïe là là, j'adore ça. Les trolls de ce challenge là ça me tue. On va appeler ça le bisou challenge, allez, parce que j'ai plus le nom là. Qu'est-ce qui lui a répondu? Clorox tue 99% des bactéries. Cette haine envers les gens qui font les challenges TikTok. Quelle horreur. Ah, nos challenges. Et désolé, je dois tout vous expliquer, mais je veux vraiment que tout le monde comprenne bien les trolls. Si t'as pas la ref, c'est pas drôle. Et même pour moi, quand j'ai vu ces trucs là au début, c'était pas drôle, j'avais pas les refs. Là, c'est un challenge où en gros, tu mets une image, tu claques des doigts, et le truc qu'il y avait sur l'image, tu l'as dans la main. Et donc, il y a plein de gens qui s'amusent à troller face à ça. Hop, petite, elle a le tic-tac, elle a les Oreos, les chips. Et le mec à gauche, il va demander un truc impossible à voir. C'est vraiment après cette vidéo que c'est la fin de ma carrière. C'est celle-là. Ah, alors ça, je sais d'avance ce que c'est. En gros, tous les temps, tu tapes contre ta cam et ta paire de chaussures change. C'est drôle et innovant, c'est bien. Wow. Yeah. What is it? I don't know. It just started showing up a couple of months ago. It only happens to flash on. I don't know how. C'est drôle. Je connaissais pas celui-là. Oh, les mecs sont si drôles. This is when you try to make me fall. Convince me it's true. That is why you want me like you do. Les furies, c'est des gens qui, je crois, qui s'amusent à se déguiser en animaux, en gros, comme ça, en animaux mignons sur TikTok et qui dansent. Et il y a plein de gens qui détestent ça et qui répondent comme ça. Moi, je trouve ça cool que ça rassemble des gens qui aiment la même chose, mais bon. Ah, le fameux challenge, j'adore ça. C'est marrant quand les gens font des parodies à un challenge à deux comme ça, je trouve ça marrant. Ils créent vraiment des histoires avec ça, c'est drôle. C'est horrible ça, c'est pas du tout drôle. Ça doit être un challenge où les personnes qui aiment pas leur corps le montrent justement. Et ces deux petits cons ils répondent en se moquant comme des gros fils d'op. Ah vous voyez, là c'est le vrai dark side de TikTok là. Petit con, bah moi je leur tirer les oreilles à ceux-là. Les deux en ont marre du challenge mais ils se retrouvent à le faire malgré eux, c'est génial. Ça c'est la bonne utilisation de TikTok. Ah, ça va être quoi la vanne? Eh, y'a l'épaule qui ressort, c'est bien fait là. Quelle est la vanne? Oh, je ris à ça. Ça va mieux. Au-dessus de la ceinture, ça compte pas. Allez hop, ça dégage. I'm getting really sick and tired of these users on here that do nothing but duet people's videos just to make fun of them. We get it, you don't have the potential to get your own followers, so you have to ride off the backs of others. I'd rather be cringy than be someone who puts other people down to get attention because they can't get it anywhere else. Mais arrêtez de prendre TikTok au sérieux. TikTok, ce n'est pas la vraie vie. Calmez-vous. Si vous créez du contenu sur Internet, vous vous exposez à des critiques. C'est normal. On s'est tous fait critiquer sur YouTube. On a tous pris cher des moments sur Internet. C'est comme ça. Il faut prendre du recul. Putain, les gens, ils prennent trop au sérieux les réseaux sociaux. Katarina Valentine, I will not sit here anymore and listen to you talk bad about yourself. You're adorable. Ça par exemple c'est horrible, ça me fait... Putain c'est fou, mais c'est bien au moins on voit les trucs qui sont horribles. Ça, ça s'attaque physiquement à elle quoi. Donc ça me fait zéro rire, c'est pas drôle du tout. Au contraire elle a le courage de montrer son acné qui doit la faire souffrir. Et ce bâtard il répond ça, ça me fait zéro rire. Oh, pas drôle. Ça m'abrutit. Ça m'abrutit une heure de TikTok et je deviens un abruti. Forget all about that tonight. Just remember the flame. You remember the flame. All right.
Il faut arrêter, les gars, de faire semblant de se blesser ou de décéder face à un contenu qui ne vous plaît pas, ok? Ça ne vous plaît pas, mais ça plaît à des gens. Mais c'est très drôle, continuez quand même un peu, s'il vous plaît. Enfin, pas trop non plus. Gamers, TikTok has been infested with heathens for too long. Duet this to cleanse this holy land of furries. Les mecs créent une ligue pour éradiquer le contenu qu'ils aiment pas. C'est incroyable. Trop de TikTok pour aujourd'hui. Oh, je vais m'instruire un peu. Je vais m'instruire 200 drôles de mots qui ont changé nos vies là de Alain Ray. Je vais lire ça un peu. Ce sera mieux que d'aller sur TikTok. Bolos. Le destin. Bon les amis, allez on arrête de s'abrutir, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, TikTok prend tellement une ampleur de dingue, il y a 700 millions d'utilisateurs. Et pourtant j'ai l'impression que c'est invisible, personne n'utilise autour de moi, personne ne sait ce que c'est, etc. Et je voulais pas ignorer ce que c'est en fait, alors que ça prend une ampleur incroyable. Je voulais pas être ignorant vis-à-vis de ça, donc je me suis renseigné. Et franchement comme j'ai dit, il y a des trolls qui sont drôles. Il y a bien entendu beaucoup trop de méchanceté et de harcèlement aussi sur l'appli, et ça c'est dommage. Je sais pas si Clément les aura laissés, mais il y en a un ou deux que j'ai vu passer, ça m'a fait zéro rire. Ou c'était vraiment trop vilain pour la personne, et c'était très direct, donc c'est horrible. Il y a des trucs, faut prendre du second degré, faut prendre du recul de toute manière, de manière globale par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas, si vous allez sur TikTok après cette vidéo et que vous voyez des gens qui font des trucs malaisants, juste ignorez. Mais ça sert à rien d'envoyer du mal à ces gens-là, juste ignorons-les. Et si vous voyez une vidéo où il y a un potentiel de réponse qui peut être drôle, bah répondez de manière drôle sans blesser la personne. Voilà. Je suis désolé, je fais toujours ces morales un peu gaga et euphorique en fin de vidéo, mais je trouve ça important en fait. On peut rire de pas mal de choses, mais blesser vraiment gratuitement une personne, c'est con quoi. C'est un vrai impact ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. On peut blesser juste avec des mots ou des actes tout con, juste en répondant à une vidéo où c'est un peu trop direct. Ça peut faire très très mal à la personne en face. Faisons gaffe à ça. Mais en tout cas mec, grosse bonne surprise, il y a quand même des trucs très drôles sur TikTok grâce aux trolls. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà, il y aura peut-être une autre vidéo si les trolls évoluent, s'il y a des nouveaux codes, des nouveaux délires qui arrivent là, comme les challenges qu'on a vu là. Allez, en tout cas il est temps d'y aller. Et savez-vous ce que je vais faire en passant cette porte? Bah c'est 4 heures de plus sur TikTok. Yes.